J'en ai passé des soirées comme celle-ci à regarder le ciel illuminé par les tirs de mortier. 48 ans de ma vie sur cette planète et je revois mon pays en fouillant bien dans ma tête. Mais ma mémoire me trahit comme mes alliés, des souvenirs qui n'attendent que d'être coloriés. Et Kaboul reste présente autant que la guerre, d'abord les Russes et puis mes propres frères. J'en ai passé des soirées comme celle-ci avec Rocher, le téléphone incessant qui menace de me tuer. 3 décennies et 9 années sur la terre, je repense à mon parcours et ma descente aux enfers. Récemment, ils s'en sont pris à ma famille, alors je vis séparément de ma femme et mes filles. Logé dans un hôtel au cœur de Manhattan, j'attends patiemment comme le font les montagnes. Commandant d'une armée de paysans, cultivateurs de la terre, de boulangers, d'artisans. Une poignée d'hommes libres comme le vent, d'adolescents avec la guerre dans le sang. J'ai passé ma jeunesse dans le camp des résistants. Je voulais être architecte, ingénieur d'Afghanistan, mais certainement pas un homme politique, un chef de guerre, une figure emblématique. 1965 fut l'année de l'aveugle qui voit, mais le martyr a sonné. Je le sais plus que tout désormais que je serai mort avant de voir mon peuple en paix. Cette famille de mourir violemment, mon père et ses frères, et à mon tour maintenant, j'aurais tenté de laisser un monde meilleur, plus de justice pour les gens de couleur. Un jour ou l'autre je paierai de mon sang le prix d'une liberté arrachée à l'innocent. Inutile de s'enfuir de notre mort, on ne s'échappe jamais du filet de notre sort. L'islam, mon seul rempart dans cette vie, une religion de paix et de terreur qu'on la qualifie. Je prends mon rôle comme un don venu du ciel, et quand ça tourne mal, je tends les mains vers le ciel. De retour du berceau de l'humanité, un pèlerinage nécessaire qui m'a rendu mon humanité. L'immunité de l'afro-américain qui combat pour ses frères à la recherche du bien. Depuis ma rupture avec la nation, je suis venu à me poser tout un tas de questions. Le genre de questions sur le sens de ma mission. Et si les blancs n'étaient pas tous des démons, je sais pertinemment où ces idées me conduiront. Vers une mort certaine ou en erreur elles m'induiront. Et peu importe désormais où j'irai, parsemé d'embûches sur les chemins de la vérité. La capitale est sous contrôle taliban, des étudiants du livre qui le comprennent comme des ânes. C'est toute une nation qui part en fumée, des dirigeants corrompus et leurs promesses consumées. Nos sœurs et nos mères interdites d'éducation, plus qu'un pas en arrière pour ma civilisation. Indifférence totale de l'Occident qui croit encore que la guerre se déroule sans incident. Ma résistance, c'est une bouteille à la mer qui s'échoue sur une île inhabitée comme le désert. Mais il reste en mon peuple assez d'espoir pour maintenir les rangs, changer le cours de l'histoire. Et les médias m'assimileront à la haine, le noir énervé au moindre mouvement des gaines. Précurseur du soulèvement des ghettos et responsable incontesté des émeutes à Soweto. Comprenez-moi, les blancs ont brisé ma vie, assassiné mon paternel et démantelé ma famille. Des familles d'accueil au redressement dans des maisons, de l'escroc d'Harlem jusqu'à la casse prison. Tout est de façon pour que le noir échoue, des illusions comme de faire croire que nous sommes nés dans des choux. Alors je vis chaque jour comme le dernier et spécule sur mon propre décès. Between the Black Revolution and the Negro Revolution, there's a difference. When you study the historic nature, Mr. John Pakistan, 16 Pakistani kushta shuda ke dar jumle ek nafar ka naam hai Major Tolerance. D'accord. Les morts, c'est un Negro Rouge. Et la première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nous nous jettons. Tous on s'est très courageux. Dimanche, le 9e jour de septembre, j'ai rendez-vous avec la presse du monde arabe dans l'antichambre. De reporters sympathiques en apparence, au visage trop souriant qui m'inspire la méfiance. Dimanche, 21e jour de février, je me rends à l'eau du bon ballroom sans me faire prier. Le public m'attend alors, je me presse. Une série de rendez-vous dominicales sans la presse. Dans ma carrière de militaire qui réside, j'ai eu l'honneur de rencontrer des centaines de journalistes. Mais aucun qui venait de l'Arabie, alors expliquez-moi pourquoi ils m'interrogent aujourd'hui. Je retrouve mon équipe dans les coulisses, le référent sera taxant mais mon assistant novice le remplacera le temps d'un discours, le temps qu'on vérifie les portes de secours. Poignée de main solennelle, embrassade fraternelle, je maintiens mes distances d'un réflexe habituel. Que la paix soit avec vous, voyageurs. Que la paix soit avec toi, Massoud le sauveur. Ces derniers temps, j'ai fait office de lampe torche. Pour éclairer mon peuple, sorti la lampe de ma poche. Mais je sais bien qu'ils complotent autour de moi. En plus des anciens corps religionnaires, ça pue la CIA.
admiratif d'un combat du commun. Je vous salue, frère maçon, de la part de tous les miens. Peut-être avez-vous quelques questions à poser. Faisons besogne avant que l'heure de prier vienne s'imposer. Depuis mon arrivée sur scène, des hommes étranges, je me fixe des têtes inconnues dans les meetings de Malcolm X. Que la paix soit avec vous, frères et sœurs. Que la paix soit avec toi, notre frère pasteur. Dites-moi, commandant, êtes-vous prêts à mourir? Croyez-vous que votre esprit méritera le martyr? Mais qui êtes-vous? Quel genre de questions posez-vous? Et pourquoi la caméra n'est pas branchée mais sur vous? Et soudain, au 10ème rang, c'est la cohue. Arrête de fouiller dans ma poche, négro, tu crois que je t'ai pas vu? Calmez-vous mes frères, soyez disciplinés. Reprenez votre place, que l'on puisse continuer. Des ceintures d'explosifs contre le ventre, ils acclament la grandeur de Dieu et mettent fin à l'attente. Dans la pièce, des fragments de peau se déchirent. Ce soir, le lion est mort dans la vallée du Panjshir. J'allais poursuivre mais j'aperçois un homme armé. Je crois que c'est un noir, ils sont plusieurs à s'énerver. Saisissant les événements, un dernier sourire assez noir. Assassiné par ses frères sous la panthère noire. سبست دو چشم ما همه دو چشم انتظارها ستاره می کند فشن یگان یگان شما de Massoud à Malcolm, du Panjshir à Harlem. Le combat reste le même.